Alors, je vais vous dire un texte que j'avais écrit il y a très longtemps pour la journée de la femme, qui est en l'honneur de la femme africaine. Les gens de l'Afrique de l'Ouest se reconnaîtront, mais les autres se reconnaîtront. C'est peut-être pas la femme d'aujourd'hui, mais certains penseront, et certaines penseront à leur moment. Avec ton sein, tu as nourri tous nos joueurs de foot, tous nos athlètes, mais aussi des députés, des ministres, des présidents, des ingénieurs, des chanteurs, des poètes. Mais on ne t'a jamais vu sous l'arbre à Palabre. Avec tes bras, tu as pilé le mine, ramassé les ignames, chargé le tarot dans les paniers d'osier, puisé l'eau pour remplir les jarres, et vanté les braises pour la cuisine. Mais on ne t'a jamais vu sous l'arbre à Palabre. Avec tes mains, tu as tissé les toques. Avec tes mains, tu as coupé les cousus, les boubous et les arabes. Mais aussi changé les enfants et massé ton mari. Mais on ne t'a jamais vu sous l'arbre à Palabre. Avec tes jambes, tu as marché ton enfant dans le dos. De la maison au champ, du champ au marché, du marché à la maison. Mais on ne t'a jamais vu sous l'arbre à Palabre. Avec ton cœur, tu as aimé ceux que tu as enfantés. Avec ton cœur, tu as souvent pardonné. Mais on ne t'a jamais vu sous l'arbre à Palabre. Avec ta volonté, tu es devenue chanteuse, comédienne, écrivaine. Ingénieur, professeur, mais aussi député, ministre, conseiller de Paris et même présidente. Avec ta volonté, tu es devenue femme libre. Avec ta volonté, tu as fait de l'Afrique un continent de fierté. C'est bien qu'on ne t'ait jamais vu sous l'arbre à Palabre. S'il vous plaît, je vais vous présenter une personnalité présente ici, qui est Mohamed Goudjil. Je vous demande de l'applaudir, c'est une personne d'une grande famille. Et je peux rajouter, son papa a été ministre des Transports en Algérie. Et un combattant. Pour ceux qui s'occupent de la jeunesse et aussi des plus anciens, c'est un art, Chicago en particulier, grâce au slam. Faire du chichon ou de tenter de vendre du chichon. Ensemble, nous avons fait beaucoup de choses. Les places, les amis, et on va commencer le service prochainement. Donc on commencera la distribution. Aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est une fête annuelle qu'on n'organise pas toujours à la même date. Donc c'est pour l'honneur des Chibanis. C'est quoi le Chibanis? C'est pour l'honneur des Chibanis. Le but, ce n'est pas de s'amuser, mais c'est d'attirer l'attention des élus sur une situation qui en a assez duré. Donc la question des Chibanis, elle est centrale. Moi, mon père, il a travaillé ici 17 ans. C'est tout? Il a travaillé ici pendant 17 ans. Il gagnait deux fois le salaire d'un Français moyen. Et bien sa retraite, elle est très minuscule par rapport à la durée de travail et s'il était resté ici.
Je comprends. C'est quasiment le tiers ce qu'ils devaient toucher. Donc la situation de beaucoup de Chibales, pourquoi ils restent ici en France? Ils sont voûtes des soins, tout ce qu'ils ont suivi. C'est pas ça le problème. C'est parce que le niveau de retraite, une fois qu'ils partent au bled, il va diminuer de 30 jusqu'à parfois 50%. Donc il y avait une loi qui a été portée par Bourleau. Donc Madame Johnson, c'était la rapportrice. Et la loi a été votée en 2012. Mais elle n'a jamais été promulguée. Cette loi assurait le maintien de la retraite, du niveau de retraite. Voilà. J'aimerais qu'ils me fassent un cadeau et un plaisir. Vous savez, ils sont venus en France il y a 35 ans, 40 ans. Ils sont venus pour servir l'industrie française. Ils n'ont pas demandé le bénéfice du regroupement familial. Ils sont, pour l'essentiel, célibataires. Ils sont vieux, mais dans ma bouche, vieux, c'est beau. Ce sont nos anciens. En arabe, ça s'appelle les Chibani. Nos Chibani, pour la plus tard, souhaitent rentrer au pays. Simplement, comme ils ont eu du travail segmenté et un peu précaire, ils n'ont pas tous les points de retraite. Ils bénéficient pour l'essentiel de l'assurance vieillesse, soit un autre nom technique, peu importe, et de garantie des soins, c'est la moindre des choses. Ils souhaitent rentrer au pays, mais cette allocation, elle n'est pas exportable. Alors ils vivent dans des sanacotras, ou ils vivent dans quelques pièces comme ça, à Marseille, à Paris, pour l'essentiel, beaucoup dans les Bouches-du-Rhône. Ce sont nos vieux les plus admirables. Ils souhaitent rentrer au pays. Il y a une chose à faire, c'est faire en sorte qu'ils puissent bénéficier de l'allocation, même s'ils sont là-bas, et qu'ils puissent continuer à bénéficier du retour en cas de grande maladie s'ils souhaitent revenir à la Timone. Nous leur devons. Nous leur devons. Vous savez, une société qui ne respecte pas ses anciens n'a pas d'avenir. Alors ces Chibani, imaginez-vous qu'après des batailles homériques, la France a inventé une nouvelle allocation. Elle l'a votée à l'unanimité des chambres du Parlement, Assemblée nationale et Sénat, pour que ces, à l'époque, 37 143 Chibani qui le souhaitent puissent rentrer au pays. Alors si François Fillon avait l'envie de me faire un cadeau, et puis s'il avait envie de leur faire un cadeau, et puis s'il avait envie de faire un cadeau à la République, au respect du vote du Parlement, au respect de nos anciens, au respect de ceux qui sont venus aider notre industrie, s'ils le souhaitent, qu'on publie les trois décrets, 2 pour le niveau des ressources, 1 pour la maladie, ça serait, pour l'honneur de notre pays, un très beau cadeau que le gouvernement ferait. Bonne année à vous tous. Son fils le fera pour lui. Donc, ce trophée est décerné à Zeknout Idir. Si tu veux venir nous voir, nous approcher. Idir, c'est le prénom qui veut dire vivra, si je sais bien, si je pense, ne pas me tromper. Donc, il a bien vécu, il a 85 ans. Il est toujours derrière son comptoir, donc je vous laisse le soin, Madame la maire, n'est-ce pas, de remettre ce trophée à notre ami Idir et à son fils de nous approcher pour lire ce qu'il a écrit pendant 10 minutes, voici quelque temps. Tu lis la feuille, s'il te plaît. Je crois que monsieur va dire quelque chose. Je voudrais quand même dire ce qu'il a décrit. Club des Chibani Paris 17e, récompense donc décernée à Zeknout Idir, commerçant, pour le soutien actif qu'il porte aux Chibani algériens du quartier des Épinets. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes installé, mais j'ai l'impression que je vous ai toujours connu. Oui, ah ben alors c'est bien ça. Et vous aviez connu Françoise de Panachieu avant? Oui. Je me rappelle très bien que la première fois j'ai commencé à compter les rues avec elle lorsqu'elle était députée et vous étiez là. Et déjà, on peut prendre le café ensemble. Donc je suis heureuse en tout cas que ce soit vous à qui je puisse décerner ce prix et remercier Jean-Claude de cela. Donc je, au nom de, bah voilà, de tous ceux qui sont là. Thank you.
il y a un petit mot. Je dis bonjour à Idir, le chanteur. Quand je me rappelle de lui, j'aime bien regarder Vavaïnouva en pensant à mes parents. Vavaïnouva. Et Simanaja, j'en ai aussi hommage. Quand il recevait des lettres, une de sa mère, de son père, et une de sa femme. J'aime bien la chanson qu'il faisait, il a fait tout ça. Il prenait un verre et il disait « Donnez-moi encore un verre !» en se présentant comme un... Eh bien, c'est Manassian, que Dieu parle sur lui. Merci. Nous avons bien sûr... Geoffroy Boulard, le premier adjoint, pour remettre le trophée. Alors, ces trophées sont décernés par la CAJA à des personnels de cet établissement, mais aussi à des bénévoles qui viennent dans cet établissement et qui font du lien social avec les Chibanis. Parce que dans ce quartier, nous avons environ 200 à 300 Chibanis qui passent chaque mois. Et il y en a qui sont très âgés, comme le chauffeur du premier ambassadeur d'Algérie en France, que vous avez aperçu. Il a 92 ans, n'est-ce pas ? 98 ans, je veux dire, n'est-ce pas ? Bon, et alors, tous ceux qui font du lien social vont être récompensés par un trophée qui va être remis par le premier adjoint de Brigitte Custer, Geoffroy Boulard. Donc, j'appelle Arzoun Youssef. Au revoir. C'est notre cuisinier. Donc, alors, donc Club des Chibanis Paris 17e récompense décernée Arzoun Youssef, cuisinier, pour le soutien actif qu'il porte aux Chibanis algériens du quartier des Épinettes, Paris 17e. Félicitations. Qui remet en état la chaufferie régulièrement. Hein, en France. Je pense qu'il a œuvré dans le 16e arrondissement. C'est un homme de talent et d'une grande valeur. Voilà, plaisir de vous mettre cette récompense par l'association des commerçants de la ville Fichy et des Épinettes, plus globalement. Un petit mot peut-être sur votre ambiance non protocolaire. Jean-Paul, dans une ambiance non protocolaire, nous allons continuer à distribuer les trophées, s'il vous plaît. Je vais demander à Geoffroy Boulard, le premier adjoint, pour remettre les trophées. Alors, ces trophées sont décernés par la CAJA à des personnels de cet établissement, mais aussi à des bénévoles qui viennent dans cet établissement et qui font du lien social avec les Chibanis. Parce que dans ce quartier, nous avons environ 200 à 300 Chibanis qui passent chaque mois. Et il y en a qui sont très âgés, comme le chauffeur du premier ambassadeur d'Algérie en France, que vous avez aperçu. Il a 92 ans, n'est-ce pas ? 98 ans, je veux dire, n'est-ce pas ? Bon, et alors, tous ceux qui font du lien social vont être récompensés par un trophée qui va être remis par le premier adjoint de Brigitte Custer, Geoffroy Boulard. Donc, j'appelle Arzoun Youssef. Au revoir. C'est notre cuisinier. Donc. Alors. Donc, Club des Chibanis Paris 17e récompense décernée Arzoun Youssef, cuisinier, pour le soutien actif qu'il porte aux Chibanis algériens du quartier des Épinettes à Paris 17e. Félicitations. Allez-y les photographes.
En fait, moi je suis très surpris parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc personne ne m'a averti. Honnêtement, je n'ai même pas pu en placer une parce que ça a été une surprise totale. Donc, en tous les cas, je suis très très content. Et voilà, je suis très content par l'accueil aussi parce que les gens sont très très chaleureux. Et voilà, j'espère que je vais pouvoir aider un peu cette situation à partir d'aujourd'hui. Pourquoi pas. Qui est une femme excellente, une élue de terrain. Alors, c'est la soirée à Saadi Selma.